Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Hearts Final Mix. J'espère que vous allez bien. Comment ça va Donald Dingo? Ouais non, parce que je m'en fous en fait. Donc écoutez, eh ben dans le dernier épisode, je sais plus ce qui s'est dépassé, donc allez le voir. Et on va aller dans la forêt des Lotus. As-tu vu Alice? Alice, non, les ombres, oui. Où sont-elles allées? Par ici, par là, quelle importance! Gauche, droite, au bas, tout est mélangé à cause des ombres. Avancez dans la forêt et passez par le jardin privé. Vous pourriez trouver des ombres dans la salle renversée. C'est quoi la salle renversée? Elle est où? Elle est où? Bon. Ah, trop... Oh! Ah, des rondillards! Ah, oh, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est vrai qu'à force, il commençait à me manquer presque, c'est sans cœur. c'est bizarre hein, de le dire. Mais ouais. Alors, toi, c'est comme ça? Non, non, c'est pas la fleur qui peut taper, mon gros. On va se mettre donc derrière lui et on va le taper. Est-ce qu'il craint le... Le brasier, non? Non, d'accord. Parce que c'est dans les autres caches, il craignait le brasier. Est-ce que vous pourriez pas le taper, les deux zigotos, là? Parce que vous servez un peu à rien, en fait. Voilà. Merci. Alors. Oui, je ramasse les munis, ça. Des petites ombres. On va gagner des petits points d'XP. C'est vrai qu'on n'a pas trop level up, hein, pour le moment. Depuis qu'on est dans cette zone. Hop là. Alors, par où est-ce qu'il faut passer maintenant? Encore des ennemis, d'accord. Ok. Donc on va s'occuper de... Hop là. You. Et boum. Et boum. Allez, petite ombre. Viens par là. Nickel. Et là, il y avait des petits sans-cœurs rouges. Un éclat ardent, d'accord. J'aimerais bien... Enfin, il me tarde qu'on puisse utiliser tous ces objets-là, parce que je suppose que ça ne sert à rien. Mais... Ben, je sais pas du tout comment ça sert pour le moment. Il me semble que ça arrive plus tard. Ça paraît évident, d'un autre côté aussi. Mais voilà, quoi, il me tarde un petit peu. Hop. Eh ben non. Eh ben non, tu n'auras pas lancé ton bras. Il en reste un encore. Et voilà. Et il... Je vais dire qu'il y en a plus, mais en fait c'est faux, il y en a encore. Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Lol. XPTDR. Alors, Dingo qui gagne encore un level. Et nous, j'ai l'impression qu'on a pas gagné. Si, on a gagné un level, on a gagné un PC max. Mais Dingo, ça fait déjà deux fois qu'il level up. Bon, mais écoutez. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Wait, what is this? Est-ce qu'on peut le brûler? Sors de là, Donald. Fire. Non, d'accord, on peut pas le brûler. Ah, il y a une note juste au-dessus. Alors, juste avant, j'aimerais aller choper ce petit coffre. Est-ce qu'on peut monter sur la chaise? Il me semblait que c'était possible dans un autre Kingdom Hearts. De mémoire, il me semble qu'on l'a fait dans 358 sur The Days. On s'était assis sur une des chaises. Enfin, on était monté sur le dossier d'une des chaises pour pouvoir accéder à un coffre qui était là. Également. Allez, s'il vous plaît. C'est quoi ces hitbox? Enfin, c'est Box Collider, pour le coup. Allez. Non, tu veux pas t'accrocher? Comment est-ce que je fais pour monter là-haut, moi? Hey, putain, il y a une porte là. Les ombres se cachent quelque part. Comment les trouver? Essayez d'allumer la lumière. Ouais, bon, pour une fois, il n'a pas été trop énigmatique. On n'a même pas besoin d'allumer la lumière en fait. Ils arrivent tout seuls. Boum. Hop là, tac. Allez. Allez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, on attaque. Merci. Voilà. Encore. Encore. Bon, c'est ça va me faire l'XP, moi qui me plaignais qu'on n'ait pas assez augmenté mon level. Là, allez, hop. Tiens, le rond de billard. Hop là, crève. Oula. On va passer par derrière avec une petite roulade. Hop là. Et... boum. Allez. Nickel, c'est bon, on l'a eu. Mais il lâche pas mal de munis, lui. Ben, une trentaine, en fait. Alors... est-ce que, genre, si... là, ce que je me disais. Il fait trop sombre. Plus de lumière. Ah bah. Il y a encore une lampe allumée. C'est pas un peu idiot, il y a la lampe qui est effectivement sous leurs yeux. Alors... et j'avais pas tilté, en fait, on est au plafond de la lumière... De la salle, de la première, de la deuxième salle. J'avais pas tilté. Allez hop. J'aimerais bien que tu montes par là, Sora. Hop, nickel. Alors. Voilà, c'est bon. Du coup, maintenant on peut allumer celle-ci. Toutes les lumières sont allumées. Tu verras bientôt les ombres. Elles surgiront dans cette salle, mais ailleurs. Les ombres vont peut-être aussi s'en prendre au bouton de porte. Bon, ok. Pas vraiment une énigme, là, pour le coup. Alors, on va terminer d'explorer cette zone, histoire de se faire tous les combats possibles. Peut-être que, qui sait, on aura... des... un nouveau niveau. Non, encore, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Très bien. Très très bien. Elle est où la porte par contre? Je me souviens plus du tout de où est la porte. Et attendez, on entend l'horloge. On entend une horloge. Bon, je sais pas où elle est, mais on entend une horloge. Par ici. D'accord, c'est par là? Yes. Comment est-ce que je peux... comment est-ce que je peux obtenir tous ces trucs? Attends, là où il y a un... là où il y a une lumière, là il y a un truc qui brille. Je veux obtenir ces objets. Non, je peux pas. On ne peut pas. D'accord. Bon, bah écoutez, on va sortir et puis c'est pas grave. Au pire. Dans le pire des cas. Hé, hey, salut. Qu'est-ce que t'as? Ça veut dire quoi ça? Ah, là, il frissonne donc brasier. Hey. Non, d'accord, on l'a fait trop tard. Bon, c'est vrai qu'on on m'a dit dans les commentaires que, voilà, quand il frissonne, il faut faire brasier. Voilà. Cool. Donc là, il est tout content, il va nous donner quoi? Je sais pas trop. Là, il supplie, donc je sais pas du tout ce que c'est. Là, il frissonne, donc encore brasier. D'accord, ça nous donne juste des points d'XP. Hop là, plus 10 points d'XP. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Oh, trop cool, et en plus il nous redonne toute notre magie. Brevet brasier. Ah, mais c'est cool. Ah, c'est très très cool. Il y en a pas d'autres? J'en voudrais un autre, s'il vous plaît. Petit bolet. Petit bolet. Tiens, par ici. Ah, il y en a un là-bas. Hop là. Ça, je sais pas ce que c'est. Là il fait rien donc petit bolet. Non non d'accord, ça c'est pas pour ah encore un brasier, c'est cool. Ça je sais pas, je dirais une lumière mais je suis pas sûr en fait. Hop, encore un brasier et boum. Allez, mais voilà, boosté qu'a pris. D'accord, ça je sais pas ce que c'est. Mais c'est, je suppose que ça va être cool. Brevet brasier, d'accord. Donc ça va être cool, je suppose, pour crafter des objets. Hey, regardez, on a 3 barres de magie maintenant.
Attendez, je suis pas sûr. Est-ce qu'on a toujours eu 3 barres de magie? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais écoutez, on a une nouvelle compétence qu'on va s'empresser d'aller s'équiper. Boost tech augmente les points tech obtenus en parant les attaques ennemies. D'accord, et bien ça c'est cool. On pourra même s'en équiper plusieurs. Ça c'est très très cool, écoutez. Il n'y avait pas un autre bolé? Bolé bolé. Olé olé. Non d'accord, cette baguette est pourrie. D'accord, je le conçois, je le conçois. Est-ce que genre si je monte... Est-ce que si je monte, c'est... Il y en aura en haut. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'aimerais bien arriver là-bas en fait, moi. Parce que là-bas, il y a un coffre qui me plaît bien. Écoutez, tous les coffres que je sais pas... que j'ai pas vu, si jamais vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut les... oui, donne-moi une potion, c'est vrai qu'il faut lui donner une potion, voilà, hop, tac, fleur. Si jamais vous avez une idée de comment les récupérer, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous serai éternellement reconnaissant, hop là. Et donc du coup, on va récupérer cette petite fleur, enfin, cette petite truc à manger, voilà, hop, on devient plus petit. Et du coup, on va pouvoir... Ah, ben il y a de nouveau des ennemis, c'est cool. Hop là. Ah, ben il y en a encore des ennemis. C'est cool aussi. Tiens, prends-toi un petit brasier. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Hop, là, il y a un autre ennemi. Hop là, ah mais ça c'est cool, du coup ça recharge complètement les ennemis, le fait de donner une potion pour grandir. Ça c'est pas mal, parce que du coup ça nous permettra d'avoir pas mal de points d'XP. Ça. Allez. Et ouais, visiblement ça va mettre très très longtemps, là on est que niveau 12. Hein. Dingo est niveau 14 mine de rien déjà. Je sais pas comment il fait pour gagner autant de points d'XP le dingo, mais pas mal, pas mal. Hop. Allez. Non mais hop, touche les soins. C'est vachement plus pratique en fait. Bac brasier plus. Alors ça doit être cool ça. Va falloir s'équiper. Ah d'accord, il y a d'autres ennemis, donc pas tout de suite l'équiper. Hop là, tiens, hop, t'es prêt à mourir, petit tombe de merde. Je veux les minis, je veux les minis, je veux les minis, je veux les minis. Ok. Donc, alors, bague chose dans l'ordre, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, la bague brasier plus, qu'est-ce qu'elle fait? Augmente les dégâts de type feu de... Réduit les dégâts de type feu de 20%, augmente la défense en utilisant plusieurs accroît l'efficacité. D'accord, donc j'augmenterai de 2 la défense. Par contre, je perdrai un petit peu de HP. Oui, bon d'accord, c'est sur la bravoure. Ouais, mais du coup... Ça fait plus de 2 points de défense. Alors, on va plutôt la mettre à Donald, en fait. Parce que Donald, il a vraiment du mal, là, sur la... Sur les dégâts qu'il prend. Donc, du coup, voilà, là, il va avoir 10 points de défense. Ça sera plutôt pas mal. On va essayer de monter un petit peu, là-haut. Je pense pas que ce soit faisable, en fait. Attendez. À moins que je ne passe... Non, raté. Là, allez, on va se remettre sur ce champignon, puis sur celui-là. Hop là, nickel. À moins que je passe par là. Youpi! Oui! Non! D'accord, je ne sais pas à quoi ça servit. Je suis trop grand pour ou trop gros pour toi, d'accord. Ouais, effectivement, ça a servi strictement à rien. Ça a servi strictement à rien de faire ça. Hop, alors, petit. Non, mais voilà, faut les viser en fait pour taper. C'est pas mal. Voilà, allez, you. Il y a un coffre qui traîne, un éther, d'accord. Bon, mais décidément, ce coffre-là ne sera pas pour tout de suite. Bon, écoutez, on va passer par là. Eh, ben attends. What? C'est quoi cette pièce? Ah, mais attendez, elle est à l'envers cette pièce. Ah, c'est très stylé. Il est très perturbant aussi. Parce que la dernière fois on est arrivé, on était tombé sur ce robinet quoi.
Alors que là, du coup, on marche sur le mur avec ce robinet. Est-ce que il y a moyen de passer par là? Ouais. Ouais, il y a moyen. Pièce mystérieuse. Si je vais par là, c'est ça? C'est par où? Ah non, d'accord, c'est en allant dans la... Non, dans la cheminée, d'accord. Est-ce que je peux genre cramer cette planche? Non, d'accord. Ah, mais attendez, là, il y a plein de sang-cœurs. C'est tout cool, c'est tout bénef. Là, un éclat, là, il y a un éclat d'audace. Ouais, je pense qu'on saura bientôt à quoi ça sert. Hop là, tiens, prends-toi un petit brasier. Oula. What? Non, ouf, d'accord, on revient juste dans cette salle. Bon, eh bien écoutez, ça fait déjà deux morts rien que dans ce monde. Bon, d'un autre côté, il est tôt hein, ce matin. Et je suis pas très très réveillé, mais voilà quoi. Ce n'est point une excuse. Hop là, allez, s'il vous plaît. Mourez. Ah, mais mourez en fait, voilà. Le verbe mourir, ça veut dire que tu cesses ton existence. Voilà, tu disparais dans les abîmes. Hop. Ah, d'accord. Donc il y a le connard. On va s'écarter. Hop, tiens, prends-toi un petit glacier. Un autre glacier. Un petit brasier, tiens. C'est cadeau. Tiens, un petit glacier. Et boum, voilà. Et Donald qui gagne plus de PC. Ben ça, c'est cool. Mais pour ça sert, il faudrait qu'il ait des compétences en plus, quoi, en fait. Hey. D'accord, c'était juste pour passer de l'autre côté. Je pensais que ça allait avoir genre une utilité... Non, en fait, non, pas du tout. Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à sauter là-dedans. Hop là. Hey. Comment je suis arrivé là? Non, raté. Boum, voilà. Ah ben ça fait pas mal de dés. Là j'aime beaucoup glacier dans ce Kingdom Hearts, vu que ça, même si ça vise pas, ça fait beaucoup de petites particules, ce qui fait que du coup c'est très pratique. Hop, si tu veux bien mourir. Particules inutiles. Hop. Hop là, allez, on s'occupe de lui. Hop là. Et voilà. Eh ben c'est cool ça. C'est cool tout ça. Alors, par où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Ça fait très bizarre quand même d'avoir ce monde à l'envers là. Donc là on a un passage vers la forêt de Lotus. Et là on a un passage qu'on ne peut pas choper. Donc prenons le passage vers la forêt de Lotus. Non, vous êtes sérieux, on est revenu au point de départ en fait. J'aurais pensé qu'au moins on pourrait aller genre choper le coffre qui est en face. Mais apparemment pas en fait. Attendez, mais on est où là en fait? D'accord, non, on n'est pas revenu au point de départ. C'est faux, on n'est pas au point de départ, on est revenu encore avant le point de départ. Bon, est-ce qu'on peut choper? Non, d'accord, il aurait fallu qu'il puisse donner deux coups. Ah, trop cool. Ouais, bon, ça sert un peu à rien s'ils sont... Si ça nous donne toujours les mêmes trucs. Est-ce que... Il n'y aurait pas moyen... J'avais pas vu ce qu'il faisait. Non, refais le truc. Voilà ça. Cool. Ok, en fait j'avais pas tilté, je croyais qu'ils se mettaient à prier, mais en fait non, ils se font de la fraîcheur. Ils font de la fraîcheur en donnant des battements de bras, quoi, si vous voulez. J'avais pas tilté. Hop, tiens, prends-toi un glacier. Cool, allez, encore une fois, s'il te plaît. Sors de devant, s'il te plaît, Dingo. Non, là il a froid, c'est un numéro assez glacier dessus. Non! Il est disparu, le con! Rien à foutre, je sors et je re-rentre. Hein. Alors. Non, d'accord. C'est pas les bons sangs, quoi. Ok, je viens de tilter, en fait, ce que c'était les trucs oranges. C'est...
chargement temporaire, on va dire, de la barre de magie. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, à... Quand on est à deux barres de magie, et qu'on remplit une barre d'orange, ben du coup, la barre d'orange disparaît, et on gagne une barre bleue supplémentaire. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, une fois que j'aurai tué ce sang, un sang cœur qui me donnera de la magie. Voilà. Hop. Est-ce que je vais avoir des points de magie, s'il vous plaît? Non. Pas de points de magie. Là, regardez bien, là, on est presque à une barre. On a presque gagné une barre de magie. Il nous manque une petite bubule, je pense. Hop là. Magnifique. Est-ce que j'aurais dit des conneries? Est-ce que j'aurais dit des conneries? Parce que là, regardez, là on est à un peu plus d'une barre de orange. Alors, on peut encore s'occuper de ces sang-cœurs là. Ouais, là on est largement plus d'une barre. Ah non, d'accord, c'est la barre orange, on peut la recharger en donnant des coups. Oula. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que la barre orange diminue quand on lance des sorts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît... Il n'y a pas quelqu'un qui a une échelle? Parce que j'aimerais bien monter là-dessus, en fait. S'il vous plaît. Non. Bon, d'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'as-tu frappé si fort? Parce que tu m'as tapé, connard. Bon, allez, on repart sur la pièce mystérieuse. Tu auras une meilleure vue un peu plus haut. D'accord, en gros, il veut qu'on grandisse. Salut, petit chat. Les ombres seront bientôt là. Tu t'es bien préparé, au pire. Sinon, tant pis. Là, il est très très moche en violet comme ça. Alors, si on lui balance du glacier, d'accord, il faut s'approcher d'un petit peu plus près. Boum, tiens, cadeau. Aïe. C'est qu'il fait mal en fait. Comment est-ce que je peux faire pour le... Pour esquiver ses coups? Hop, déjà, donc on va se mettre sous la table. Hop là. Et le pire, c'est qu'il nous focus nous, hein. Hey, salut. Comment tu vas? Bah écoute, moi pas top, hein, si tu veux. Voilà. Non, d'accord. Je vais balancer un brasier. D'accord. Ah, cool, là, il est KO. On peut le taper. D'accord, on peut plus le taper. Donc il va falloir s'écarter un petit peu. D'accord, donc là, il chante. C'est bien ça. Aïe. Hey. Oh. Donc on va se caler sous la table. Pourquoi elle tourne cette conne? Salut petit. Comment tu vas? Non mais Donald et Dingo, là c'est bon, il a le focus sur moi. Donc si vous sautez et que vous le tapez, c'est bon. C'est bien Donald, saute un peu plus haut. Utilise tes plumes pour voler, je sais pas. Salut. Raté. Esquive, esquive, ouh, je t'ai enrhumé là. Je t'ai enrhumé avec toutes ces esquives. Hop là, allez. Hop là, allez, on a réussi à lui donner deux coups. Si ça c'est pas magnifique. Magistralement magnifique. Un petit combo. Ça c'est cool. Allez, hop, esquive. On repasse sous la table. On ressaute. Hop là. Ah, il est capoute. Ça, c'est cool, ça, s'il est capoute. Hop là. On a pu l'enchaîner deux fois. D'accord. Je sais pas du tout combien de vie il a. Alors, on m'a dit... What? Il a enlevé la table, le con. Alors, on m'a dit que ça servait à rien que je soigne Donald ou Dingo, puisqu'ils reviendraient par eux-mêmes avec leur vie au bout d'un certain temps. Le truc, c'est que je ne sais pas combien dure ce certain temps.
Allez, est-ce que je peux le toucher? Non, d'accord, je peux pas le toucher, mais par contre, on va se mettre par là-bas. D'accord, on a pu donner un petit coup. Hop là, allez. C'est cool. En lui donnant un coup par un coup, ça va être très très long comme combat. Ça va être très très long. Hop là. Hop là. Allez, donne ton coup. C'est bizarre, il me semblait qu'il lançait des brasiers à un moment donné. Ah, ben le voilà le Donald. T'en as mis du temps à revenir, mon grand. Ah, ben voilà. Allez, on l'enchaîne, là. On l'enchaîne, les gars. Hop, je ramasse les petites boules de vie. Qu'est-ce qu'il... What? Ah, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. Il utilise du brasier. What? Ouais. Non, mais non, en fait. Aïe. Mais c'est qu'il fait mal, en plus, le con. Faut vraiment esquiver au dernier moment. Hop là. Allez, vite. Faut en profiter, là. Ça, non, d'accord. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que, en montant sur la table et en lui balançant un glacier dans la gueule, ça... Bon, on n'aura pas le temps. Vas-y, hop, reviens par là. Vas-y, balance-moi tes boules de feu. C'est pas grave, tu ne toucheras pas, t'es trop lent. T'es beaucoup trop lent, je te dis. Non mais faut que t'accélères en fait. Alors moi par contre, si je pouvais réussir à le toucher, ça serait pas mal. Ouais, c'est cool, on lui donne un coup par un coup, ça va être très très vite. Hein. Ça va être très, très vite bien, je pense. Allez, vas-y, balance-moi tes boules de feu. Hop là, t'es trop lent. Je te l'ai dit, t'es trop lent. Hop là, t'es trop lent. Non, aïe, j'ai fait un peu trop le malin là. Bon, mais on est reparti, 3 morts. Ok les amis, donc j'ai fait un petit peu, j'ai rééquipé des objets. Donc je me suis mis une potion et 3 méga potions, donc les méga potions qui vont pouvoir soigner un petit peu tout le groupe. Oui, je sais que j'ai des objets pour le vaisseau Gumi. C'est bon ? Merci. J'ai mis des potions sur Dingo, j'ai mis une potion et un éther sur Donald, et écoutez, je pense que... on est plutôt bon, voilà. Là, normalement, ça devrait être vachement plus simple avec des potions. J'ai voulu y aller tête baissée comme un idiot et je le paye. Voilà. Allez, on est parti. Blabla, blabla. Hop là, on passe la scène. Allez, viens par ici. Comme de par hasard, j'arrive pas à le toucher. Nickel, elle pousse cette carte. On revient. On pousse cette carte. On va essayer de monter ici pour pouvoir le toucher. Voilà. Et effectivement, c'est mieux quand on saute sur la table pour aller lui enchaîner un combo. Ça va plus rapidement. Enfin, ça va plus, c'est plus rapide. C'est pas ça va plus rapidement. Ça va rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, tu es où? Tu es par là. Là. Hop là, allez. C'est bon, il s'est écoulé. Allez, on va pouvoir l'enchaîner, ça c'est cool. Ah, bah c'est vachement plus rapide là comme ça. Hop là, allez, on monte sur la chaise. D'accord, j'aime bien la caméra qui fait un peu n'importe quoi. Là, on monte sur la table, on saute et on l'enchaîne. Boum ! C'est cadeau ça. C'est cadeau, je t'ai dit. C'est cadeau. Là, on esquive, on monte sur la table, vas-y. Hop là. Ok, allez. Allez, et boum ! Et voilà là. Ah là, c'est plus rapide, hein. Ah là, c'est mieux, hein. Non mais avoue, tu peux avouer que t'aimes ça quand tu te prends des coups. Hop là, on l'enchaîne à 3 combos. Hop, on esquive son futur coup. On monte sur la table. On saute et on l'enchaîne. Hop là. Non mais c'est bon, là on lui a suffisamment donné 2 coups, non?
C'est bon, là, il s'écroule ou pas? Quand est-ce qu'il s'écroule? Jamais? D'accord. Alors, on va monter sur la chaise. S'il veut bien, il saura. C'est pas le moment de faire tes caprices. Ok. Donc là. Alors, je me. Ah, mais c'est... Oui, mais d'accord, il est capoute. Allez. Ok, ok. Donc, ces petites magies de feu. Hop là, on va se mettre en haut. Hop là, d'accord, on peut lui renvoyer, ça c'est cool. Ouh là là. Merci Dingo, Donald, je sais pas qui m'a balancé du soin, parce que effectivement, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas. Enfin, pourquoi je prenais si cher que ça. Et non, mais j'ai compris. On va se caler derrière la chaise. Hop là. What? Elle est passée sous la chaise. Le truc. Allez, alors, on va se soigner avec une potion. Ouais, c'est bon, pas la peine d'utiliser une méga potion. Hop. Et cette espèce d'idiot s'est mis à côté de la chaise. On va pouvoir donc en profiter pour... S'il te plaît, merci Sora. C'est pas comme si on l'avait tout le temps devant nous, mais en fait non, tu vois. Allez, hop, on est parti. Monte dessus, s'il te plaît. D'accord, évidemment il est trop loin. Aïe 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 aïe. Oula, merci à quiconque m'a donné ce truc. Allez, vas-y, lance-moi une boule de feu. Hop là. Ok, on peut en renvoyer qu'une seule, j'ai l'impression. Ah, c'est cool, on l'a eu! Oh, trop bon! Cadeau! What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Vous avez entendu? Je crois qu'on a verrouillé quelque chose. Ce Gumi n'est pas comme les autres, oh, ça c'est sûr. Bon, tu fais entrer. Splendide! Tu es un vrai héros! Si tu cherches Alice, elle n'est plus ici. Elle est partie, disparue avec les ombres, au cœur des ténèbres. Non. De devoir trouver un point de sauvegarde pour tourner au vaisseau. Ok les amis, et ben voilà, je pense que ce sera tout pour cet épisode. Épisode qui aura été bien évidemment coupé en deux. Et je pense que et bien voilà. Ouais, voilà, tout simplement. Donc, est-ce que... Non, pas possibilité. Est-ce que... BG, on va se garder, ça c'est sûr et certain. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans les commentaires, dans les... avec des pouces verts, avec... Ouais, je pense que c'est tout. Et puis voilà, dans le prochain épisode, donc, on se retrouvera pour faire toutes les quêtes annexes qu'on peut faire dans ce monde. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Bye.